pas ça, pas ce soir. Je ne te supporte plus. Non, 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 je ne te laisserai pas partir. Je te demande de ne pas me toucher. Excuse-moi. Je suis con. Je t'en prie, essaye d'être raisonnable. On ne peut pas effacer 5 ans comme ça, c'est pas vrai. On s'aimait, Alice. T'as pas toujours été malheureuse? Hein? Je ne peux plus te supporter. Et où tu vas? Je te dirai pas. Fais tant de chien. Mais je vais pas te laisser partir dans un état pareil. Ne pars pas ce soir, tu n'es pas en état de conduire. Et puis, pars demain matin. Repose-toi cette nuit et pars demain matin. Tu auras l'esprit plus calme et puis tu sauras ce que tu fais. Je ne te supporte plus une seconde. Écoute, Alice, si tu veux, j'irai coucher à l'hôtel. Mais ne pars pas ce soir, je sens qu'il va t'arriver quelque chose. Il m'est déjà arrivé quelque chose.
Vous commencez à vous habituer, je vois. Qui êtes-vous? Allons, allons, pas de questions. Vous connaissez la règle du jeu, maintenant. Les questions ne servent à rien si on ne peut obtenir de réponse. Bon, d'accord. Je ne vous demanderai pas qui vous êtes, ni comment partir d'ici, ni ce que vous me voulez. À la bonne heure. Par contre, j'aimerais bien que vous remettiez le disque en marche. Avec plaisir. Oh, excusez-nous, c'est un vieux disque. Vous êtes un cas très intéressant. Courageuse et souple. Vraiment très souple. Vous savez accepter, vous glisser dans une vie nouvelle, vous soumettre aux nécessités. C'est rare. Et c'est très bien. La plupart de ceux qui se sont trouvés dans le même cas que vous n'avaient pas votre sagesse. Ils se débattaient, pleuraient, hurlaient, suppliaient. Ils souffraient, les pauvres. Oui. Et ça ne servait à rien, bien sûr. Remarquez, pour nous... Oui, pour nous, c'était très amusant. Nous leur jouions des tours pendables. Voyez, rien que d'y penser, j'en ris encore. Non, mais vous êtes d'une toute autre trempe. Et ça, c'est très bien. Les femmes, d'ailleurs, tiennent beaucoup mieux le coup que les hommes, en définitive. Mais vous, parmi les femmes, vous êtes... vous êtes tout à fait remarquable. Vous ne dites rien? C'est que je n'aurais que des questions à vous poser. Ah, remarquable. Oui, oui, vraiment. Bon, je pense que tout ira assez vite à présent. Et vous ne resterez pas trop longtemps dans cette situation. Ah, mais attention, je ne vous promets pas que nous ne nous amuserons pas un peu à vos dépens, mais enfin, vous... Ah, vous êtes... pas mal supporté. Et peut-être même à l'admettre. Ne bougez pas. Lisez, écoutez de la musique. Attendez. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez de rien. Enfin, rien d'indispensable, en tout cas. Soyez pas impatiente. Vous avez bien compris la situation, n'est-ce pas? Vous ne ferez pas de bêtises. Moi non plus, je ne réponds pas aux questions. Chère Alice, demain matin, vous serez réveillée par un rayon de soleil. La petite porte de bois s'ouvrira pour vous. Et ce sera la fin de tous vos tourments. Voilà. Maintenant que vous savez tout, suivez mon conseil. Allez vous reposer et tâchez de trouver le sommeil. Au revoir, ma chère enfant. Qu'est-ce qui vous fait rire ?